Donc mon fils a eu des rendez-vous très très fréquents sur l'hôpital de la Timone pédiatrique. Donc c'était des rendez-vous qui étaient toutes les semaines, voilà, sur plusieurs mois. Il y a tellement d'avantages en fait. C'est vrai que voilà, quand on a un enfant avec nous, quand on est en déplacement, quand ces déplacements sont longs, sont pénibles, que ce soit en avion, hein, parce qu'il y a l'attente à l'aéroport en amont, ou que ce soit le bateau avec des nuits voilà, relativement courtes, on a envie d'arriver, on a envie de se poser et de se retrouver dans une atmosphère, je veux dire, qui semble un peu familière. Donc c'est vrai qu'une maison, c'est beaucoup moins anxiogène qu'un hôtel, c'est beaucoup moins anxiogène qu'un milieu hospitalier, tout simplement. Et ça laisse aussi l'occasion un petit peu de lâcher prise, de voilà, se dire on n'est pas à l'hôpital, là on est comme à la maison, on va se faire à manger, on va aller faire des courses, voilà. C'est beaucoup, beaucoup plus voilà, adapté, je pense, voilà, quand on part en déplacement pour des rendez-vous médicaux. Ce que je dirais à une personne qui hésite à participer à la collecte « Un mois pour un toit », c'est que, bon, tout d'abord, ici, il ne faut pas oublier, nous sommes en Corse. Et en Corse, la solidarité, c'est quelque chose de primordial. Et si vous participez donc, à cette collecte, vous allez aider des familles comme nous, d'autres familles aussi, voilà, à pouvoir loger sur le continent dans des conditions beaucoup plus confortables, beaucoup moins anxiogènes. Et ça, c'est vraiment, ben, vraiment génial, quoi. Donc, j'espère vraiment que vous allez jouer le jeu, que vous allez soutenir l'association INSERM dans sa belle démarche. Tout INSERM.